Hello les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hello les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez voir, je ne suis pas dans mon décor normal. Enfin, si, mais alors c'est pas un nom que vous connaissez, on va dire. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous présenter. C'est parti. Ok, alors on est où déjà? Alors là, on est dans la chambre, là où je fais mes vidéos, comme vous pouvez le constater. Alors, genre, qu'est-ce que je fais que dire? C'est extrêmement louche. Tout ceci est louche. Alors déjà, je vais vous dire quelque chose. Dans ma vidéo, je suis un lit qui est juste là, et vous pouvez la voir juste là. Alors, je dis que je n'ai pas de trépied, parce que ce n'est pas une blague, je n'ai réellement aucun trépied. Et dans la première scène que vous venez de voir, au début de cette vidéo, il y avait tout ça. Donc il y avait tout ça, j'avais mis plein de livres et de tout, et d'autres choses qui ne sont pas des livres. Donc, ça serait pratique d'avoir un trépied, quoi. Aussi, à chaque fois que les vidéos sont floues, là, maintenant, c'est bon, c'est plus flou, ce ne sera plus jamais flou de la vie, hein, parce que... Donc là, il y a une chaise en bois. Alors, regardez mon décor, hein, regardez, il est juste là. Alors, ici, là, on a moi, là, on a une girafe. Qui vient bien évidemment d'Afrique centrale. Là, on a une Wii U que je n'utilise plus et qui est à vendre. C'est totalement faux, elle n'est pas du tout à vendre. Là, on a des guirlandes qui peuvent s'allumer. Vous avez vu dans la vidéo avec Kachimer. Attendez, je vais essayer de. Voilà. Bon, en vrai, c'est beaucoup mieux quand c'est dans le noir, mais sinon, ça passe. Là, vous avez. Un truc, genre, normalement tu mets des M&M's là, voilà, et après genre, normalement t'as juste à appuyer, et genre t'appuies ici, là, après ça sort, genre, mais là j'en ai plus, j'ai tout mangé. Et là, on a un dessin de Shoto qui c'est un personnage dans My Hero Academia, My Hero Academia l'animé dont je vous ai parlé dans cette vidéo qui est juste là, tu peux y aller. Ici on a un dessin. Le BG, évidemment, Philly. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, je dis. Ça aussi, c'est pas moi qui l'ai fait non plus. Là, on a un truc que j'ai fait en CM2. Alors, ne me demandez pas pourquoi je l'ai gardé, mais je trouve ça stylé. Voilà. Alors là, on a un poster de Bloodlab. Là, on a un poster de Mikasa. Là, on a un poster de Blue Exorcist. Bon, alors. La première fois que vous les avez vus, vous avez dû vous dire waouh, c'est quoi ce truc du bled? C'est vraiment n'importe quoi. Et vous avez tout à fait raison. Alors, aussi, la raison pour laquelle j'ai changé de décor, parce qu'avant je faisais des vidéos là, vous pouvez le voir. Voilà. En fait, j'ai changé pour une raison simple. Bien exposé, du coup ce n'est vraiment pas du tout pratique, parce que du coup là, comme vous pouvez voir, je suis noir, enfin non mais c'est parce que je vous enfin, c'est à dire là je suis enfin comment dire, je suis plus foncé là, parce qu'il y a le soleil, tu vois, alors que là comme ça, là c'est beaucoup mieux, tu vois, alors que là c'est plus problématique, quoi, tu vois. Donc du coup maintenant je vais continuer à faire mes vidéos là-bas, à part si vous voulez vraiment que je continue là-bas, même si ça m'étonnerait. Voilà, donc là on a un poster d'Assassination Classroom, Assassination Classroom qui est au passage la meilleure série du monde. Alors là on a un calendrier, parce que faut savoir que je... Oui, je sais ça, ça se voit pas, mais je fais du karaté. Parce que oui, même si ça se voit pas, moi je fais du sport, tu vois, moi je... Y'a rien, ok, mais c'est bon, dis à personne. Je fais du karaté, ouais, je suis d'ailleurs ceinture noire de karaté. Bon, je sais, ça vous impressionne, mais voilà, je suis ceinture noire de karaté. Bon, par contre, je dis à personne. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous présenter? Ah, oui, j'ai failli oublier. On a finalement aussi ceci. Je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est genre. On va l'appeler. Je sais pas, moi. Au pire, t'auras pas de nom, tu sais quoi? T'as pas de nom. Non, je fais vraiment cette vidéo parce que c'est très important, parce que. En fait, il y avait un moment où je faisais plein de vidéos et tout pour que je puisse les poster après. Mais j'ai eu un petit problème. C'est que j'ai supprimé toutes les vidéos. Bon, c'était fait exprès.
parce que c'était vraiment nul et j'avais envie de recommencer parce que les vidéos elles étaient bien mais genre comment dire en fait si vous voulez quand vous faites le montage d'une vidéo ça va vous mettre du temps, d'accord, ça va mettre beaucoup de temps. Du coup au bout d'un moment tu vas te dire waouh c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Et du coup c'est ce qui s'est passé. Et du coup j'ai décidé de tout supprimer pour faire de nouvelles vidéos de qualité, bien évidemment. Voilà, et aussi au bout d'un moment je rentre dans ma chambre, je me sens dans ma chambre, au bout d'un moment il faudrait que vous sachiez un peu comment aller quoi. Bon, cette vidéo est terminée, j'avais juste envie de vous la faire pour vous présenter un peu ma chambre. Hein. Bon, bien évidemment, je vais essayer de faire une vidéo beaucoup plus complète, mais voilà, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Aussi, oui, quelque chose de très important, le décor, attention, le décor risque de changer. Hello darkness, my old friend. D'ailleurs, pour les personnes qui ont vu ma vidéo sur l'unboxing de ma caméra, comme vous avez vu que l'objectif, là, ce qui est là, est tombé, alors sachez que j'ai eu littéralement super peur et que j'ai eu peur de le casser parce que si je le casse, regardez comment ce sera. Voilà, mais la vidéo serait actuellement comme ça. Alors que là, si je mets l'objectif, là c'est beaucoup mieux. Tu vois, voilà, là c'est bien. Là, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, commentez, partagez. Si elle ne vous a pas plu, likez, commentez et partagez quand même. Sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao. Oh, j'ai fait le plus gros fake de la terre. Là, on voit encore ma tête, là. Du coup, on va essayer de refaire un truc. Et ciao. Punaise, mais j'ai encore raté. Bon, voilà. 1, 2, 3.